Bonjour les amis, c'est encore moi Martin dans Bureaucrate et Musique. Hier, on avait commencé la série de Wonderstock et j'ai expliqué l'origine du terme Wonderstock. J'ai joué quelques chansons. Aujourd'hui encore, on va aller aussi dans l'expression de quelques chansons encore. Et donc, hier, on avait joué... Wabi, permettez que j'allume l'ampli. Hier, on a joué quelques chansons, comme je disais. Alors, il y avait quelque chose que j'ai oublié de mettre à la fin de Wana Wabi, parce que j'ai joué l'accompagnement qui suivait le solo, le CPM. Alors, vers la fin, il y a une animation qui est bien faite. Il y a une très belle mélodie que je crois que c'est Sugami qui a joué. C'est cette partition, c'est quand ils chantent. Donc c'est ça la partition. Alors, dans la même foulée, une deuxième chanson de Bimi que je vais encore vous jouer. Dans le même style, mais un peu avec des interventions très marquées de Manuaku. C'était la chanson Mizu, toujours en ré comme Manuaku. Alors là, les interventions de Manon sont véritablement, ça vous touche. L'entrechant, ça a été joué en deux versions. La première, il y avait un entrechant qu'on appelle solfège. Très bien. Oh, excusez-moi, donc je recommence. Thank you.
c'est ça, grosso modo, le CBN qui a été joué. L'accompagnement, comme je vous ai dit, soutenait la chanson. Donc, il reste dans le fond. Donc, ça s'est joué comment ? Simple, voilà, la chanson est terminée, le chant merveilleux, les guitares, pas de souci. Donc voilà, ça c'était la chanson à Mizou. Alors dans la série de Kavacha, quelle autre chanson on peut encore épingler, parce qu'il y en avait tellement, mais avec le Wonderstock, le Kavacha Wonderstock, c'est aussi le prélude de la séparation. Il y a eu quelques chansons, Bondoki, voilà, quelques chansons encore, donc plusieurs chansons, mais on sentait vraiment véritablement qu'il y a quelque chose qui est coincé. Il y a Bozi qui a sorti effectivement la chanson, n'a même pas eu le temps de la goûter et c'était le départ pour former Issifi Lokolé. Je crois que c'était, la chanson c'était Mbilingo, quelque chose comme ça, voilà. C'était ça la chanson. Je ne l'ai pas vraiment beaucoup joué, mais il y avait tellement de. Donc, quand il y a trop de changements, le CBNS, je crois, ça devrait être ici. Ceci, c'était la dernière chanson avant la séparation. Donc vous voyez que quand on joue de mémoire, parfois il y a quelques notes qui sont confuses. Et voilà, donc c'est là qu'arrive la séparation, les quatre chanteurs, entre guillemets, j'ai mis ça entre guillemets, vedettes, quittent Zaïko. Et donc Papa Wemba, Evo Loco, Mavuela et Bozi Boziana pour aller faire Issifi. Zaïko entre dans le maquis et du maquis va sortir le choqué. Et là, c'est les guitares changent, les voix changent parce qu'il y a eu l'addition de la voix de Lengilenga et celle de Likinga, qui donne une autre couleur à Zaïko Langalangas. Donc c'est la série Choqué qui a fait vraiment vraiment des années pour être remplacée par une autre. Alors la chanson, il y a eu deux chansons vedettes dans cette série là. C'est la chanson de Mbuta Machakado, Beli Machakado, et celle de Kisa Sukami. Hello. Alors c'était ça, et puis quoi ça
La chanson de Mbuta, c'est commencé comme ceci. Je crois que c'était ça. Faudra que je me rattrape un peu. Je m'excuse pour les petits décalages dans les notes qui se suivent. Mais pour ceux qui veulent apprendre comment la chanson démarre, donc Beli Machakado commence. Qui a été très captivante, c'était le CPN que Pepe Félix avait joué. Touche comme ça que Pepe Félix a fait. Maintenant, ici, là, il fallait être très rapide. J'ai joué un peu lentement pour qu'on puisse voir parce qu'il fallait être vraiment très rapide et assez propre pour que les gens puissent bien danser. Et c'est une chanson qui est un peu compliquée à l'époque. Ceux qui voulaient interpréter la chanson, il y en avait qui jouaient avec une seule corde. Mais ce n'est pas ça, ce sont des tierces. C'est l'accompagnement qui avait joué, c'était du Soukami. Alors la deuxième chanson de phare dans le showcase, c'était effectivement
l'autre, Teddy Soukami. L'accompagnement, c'est une rumba simple. Principalement, c'est ça l'accompagnement. Donc, la corde à vide. Et puis. Alors, maintenant qu'on intervient, maintenant dans le petit changement là. C'est bené, il commence là. Moi, je joue ici. Pepe Félix a l'habitude de jouer sur les deux dernières cordes. Ben. Thank you.
grosso modo, c'est là la chanson Hello. Alors, donc, ces deux chansons que j'ai voulu bien faire, vous pouvez les prendre, les noter et nous allons continuer demain. Merci beaucoup.